Bonjour à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4 avec MacRentor. Voici notre pétage de rondelle, parce que là franchement, En fouf. mode, on défonce le monde. Là je vois pas d'autre moyen, hein. Je veux dire, l'Europe on va se diviser, hein. Ouais, c'est Le le sud sud pour pour le moi, le nord pour français, toi, quoi. le nord et l'est pour moi. Par contre, le... Oh putain, le russe il prend cher contre le polonais. Ah oui, à force de dire, Ah ouais, tiens, j'ai t'as fait mon l'Hollandais armée là. pour faire des... Et T'as fait l'Hollandais, je l'Hollandais? l'ai appelé dans ma guerre, vu qu'il a fini sa guerre, mais il arrive l'autre aussi avec ses 38 000 hommes. Regardez, tu vois l'Espagne ou pas le... Ah non, tu vois pas le territoire espagnol. Donc t'as 58 000 Français qui traînent à Castillavira, t'as 34 000 Hollandais du traînent on sait pas où, et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks de 28 000 hommes qui... En mode on rase tout. C'est sauvagerie, des Allemands qui tiennent à 2 contre 1 contre les Polonais. On a deux, ils en ont un, c'est ça? Non, c'est l'inverse. D'accord. Justement, foutez-moi la paix, j'ai pas envie de me faire de me friter contre vous, merde. On a les mêmes ennemis, non? Bon bah voilà, ça se passe plutôt bien ici. De ma flotte. Ah, j'ai perdu quand même 4 navires de commerce. Navires de commerce. L'Italie occupe mon sien, on va aller s'occuper vite fait là dès que j'ai. Boum! Oh non, oh l'enculé! Bon, je vais aller défoncer vite fait les Aragonais parce qu'ils me cassent un tout petit peu les couilles. Ça me dit rebelle, ah non, c'est fini ça. Parce que Toujours j'étais à me cassé. cacher un peu après. Là. Aragonais est un peu chiant à casser mon à mes territoires. Alors j'ai un fort niveau 2 que je peux raser et un fort niveau 6 que je peux raser. Je rase lequel? Ouais. Sachant que 2 c'est une frontière avec moi. Raser un fort de niveau 2? Ben tu détruis le fort qui a la plus petite Oui. qui a la plus petite province quoi. Enfin le moins de bonus quoi. Je demande ce que j'ai Allez, oh fait. là là. Donc là on lui tombe, il a 44 000 hommes, on lui tombe à 82 000 hommes dessus, en montagne en position défensive. Montagne. Et on fait un 9 au dé. Ouais, on est en montagne en position défensive. Grenade. Au revoir l'Aragon. Pas complètement voir, mais il a pris cher. Ben là, il va mourir. Bon, j'ai toute la Lituanie, c'est bon, ce qui est intéressant en Lituanie, c'est bon. J'ai plus qu'à taper les provinces polonaises. Et... Non, merde, pas pour le stack wipe, mais pas loin. Bah, stack wipe est là, je crois. Stack wipe de l'armée... Stack wipe de Ah l'armée oui! aragonaise. Et vu J'ai un qu'il peu déconné par a plus contre. de province... Encore fait comme connerie. Il y a 135 de ces expansions. L'Hollandais, c'est un gros sauvage qui a 34 000 hommes, il va taper les 46 000 Portugais aragonais. Là, on a libéré toutes les provinces de... Arrêtez avec les guerres là parce que je suis plus qu'à 14 000 hommes. De quoi de manpower? Ouais. Ah Oh, ouais. ça tombera quelques mois, enfin Oh, je suis 2-3 ans. à 98 000, voilà exactement. Donc, Murcia, est-ce qu'il a clémé ça à l'autre? Il n'a pas clémé ça, ce sac. La Mancha, bien, la mine d'or. Bourbonnade. Est-ce que t'as Badajoz? En Évora, je crois qu'il l'a clémé. Non. Oh là là, le pauvre, ils se font défoncer. J'ai mal pour eux, sérieux, j'ai mal pour eux. La bataille à Porto, là, t'as tout le monde, c'est l'orgie. On a 80 000 hommes, ils en ont 28 000. Yalla! Pim pam poum! Tu me vois plus.
et en femme, c'est interdit au moins de 30 ans. Vu une blague, j'ai 350 ouais, de questions avec le bohémien. Pas pourquoi, mais tu sais, honnêtement, ça m'étonne même pas. Oh, les pauvres espingouins, les pauvres tos, là, ils prennent trop cher. En fait, tu sais, je vais pas te mentir, je fais même pas. J'ai perdu ma clé, monsieur Riga. De toutes mes clèmes, je comprends pas en Allemagne, je pense. Ah bah oui, parce que c'est quand je suis barré de l'Empire, t'avais des clèmes pour occuper les provinces de l'Empire. Ouais. D'accord. Ah bah voilà. Ah bah je vais un peu plus l'apprécier, je pense, maintenant. Ouais, vous avez clé. J'ai ma plus 63. Oh là là, les pauvres. Ça fait mal pour les Espagnols, honnêtement. J'ai mal pour eux. Guyenne, on va redonner ça à la fin. Le Labour, mais il n'a pas de clé français. Celui occupe le Léon. Celui occupe Coimbra. Grenade qui aura Beira. Coimbra, il n'a pas. Celui occupe Burgos. Biscaya, il est terminé. Biscaya, c'est là-haut. Ok. Bon bah voilà. On va laisser une armée ici. Bon, comme dirait l'autre, épépép, bonne chose de faite. On commence à rapatrier mes troupes. Ensuite, négocions la paix avec le Portugal déjà. Portugal. Ah. Intéressant ça. Non. J'ai détruire ça, ça plus à rien ça en plus. Putain, l'empereur est désormais infertile. Ouais. Ça va être marrant ça, mon lapin. Être marrant. Heureusement qu'il y a un héritier. Hein. Bon, l'héritier, il a un ol, un clem wake. Wake ? Tu vas dire weak plutôt ? Weak. Il y a Neo qui se rebelle. D'où qui casse les pieds, ces guignols ? Milliards tout rien que ça. Alors, je recrute un trou du cul le jour même. Oh, ben le conseiller se barre. Voilà, le Tos. Ici, on a encore un petit peu fui des grenades. Le Tos, il reste plus grand chose en continental. Hein. Oh, les sauvages, les sauvages. On est des putains de sauvages, c'est infâme. Ça va, toujours pas de coalition sur toi, non nous avons... En même temps, tu es qui dans la coalition? Quoi? Voilà. La Pologne, la Hongrie.
Les Lituaniens, je les ai massacrés. On attaque, l'Empire contre-attaque. Murcia, on va le filer à Grenade. Grenada à Grenada. Et ça, c'est... Voilà! Bonne chose qu'il en est bien. Bonne chose, ah, ouais. Regarde l'Espagne. Et hop! Et t'as toujours pas filé la France. Si, je lui ai donné un bout de territoire. Quoi? Je lui ai donné Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Bordeaux, waouh. Refuser la Franche-Comté de Luxembourg et Cambrai, c'est vraiment moche. Ah merde, j'ai oublié. Oh bah tiens. Les Pays-Bas. Il t'a appelé dans sa guerre, les Pays-Bas? Non. Non, sérieux? Ouais, pas appelé. Tu peux pas lui proposer de joindre sa guerre? Ah non, c'est dans HOI4 que t'as ça. Parce que là, on est en guerre contre l'Angleterre. Intervenir en guerre. Ah mais t'iras du mauvais côté. C'est quoi cette guerre de merde, là? Enemy fleet, on va mettre ça. Bah non, je vais devenir en guerre uniquement du côté des British. C'est une guerre, pourquoi c'est? Guerre de succession de la Suède. Ah, il a une IP sur la Suède, ce truc du cul. Il a une IP sur la Suède. Nord-Atlantique. Ah, bah, je comprends que le. Danois, écoute... Ouais, l'anglais a une IP sur la Suède. C'est bien ça. Mais je préférais que ce soit l'anglais qui l'ait, moi. L'affaire. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est clair. Je veux dire, si jamais le Danemark a l'UP sur la Suède, ben. Enfin, je veux dire, si jamais les Pays-Bas a l'UP sur la Suède, ben, je gratte tout ce qui est de culture germanique, et puis ben, le reste, tout ce qui est de culture française, je le laisse. Et au revoir, les Pays-Bas. Ouais. Ce sera moche, mais bon, tant pis, hein. Et puis, c'est un peu moins. Ah, j'ai que plus 45 qu'avec toi. Pourquoi j'ai que plus 45? Qu'est-ce que t'as fait encore? Non, c'est bizarre, ça. Non, c'est que toi qui m'aimes que à ça. Pourquoi? J'ai viré mes diplômes pour faire autre chose. Ah, d'accord. Ah, mais j'ai des rebelles partout qui pop chez moi, c'est le bordel, ce pays. La Prusse se barre en couille. Voilà, je suis en train de raser la flotte anglaise. Bien. Ah non, je me fais raser ma flotte par les Anglais, j'ai l'impression. Les mecs, je comprends pas, là, ils ont... Attends, c'est quoi cette embrouille, là, sérieux? Ils me cassent le fion. Les mecs, ils m'ont coulé, je sais pas combien... Ah non, que 3 navires lourds. Ils m'ont coulé 3 navires lourds, les mecs, alors que j'ai tout de mieux qu'eux, quoi. J'ai plus de navires lourds, j'en avais 2 fois plus qu'eux. Ah, en même temps, tu aimes bien les Anglais, s'ils ont les idées maritimes et tout le bordel. Oui, ça aide. Me vois déjà les idées, c'est là, je crois. Idée. Non, même pas. Il n'y a pas les idées maritimes. Surprenant. Non. On va mettre les missionnaires et missionnarises. En fait, il y a ça aussi que j'ai. Rien pas de ce que j'ai à faire, c'est là.
Bon, je conteste mon PV parce que je suis descendu à Nice, je me suis fait flasher à l'aller, au retour. Sauf qu'au flash à l'aller, j'avais vu le radar, l'avertisseur de radar me dit y'a radar, je me suis fait flasher, mais bon, j'ai pas reçu la vie, donc j'ai dû être, elle a pas dû être exploitable la plaque ou un truc à la con. Et au retour, je me fais flasher à Grenoble, l'endroit, je sais qu'il y a le radar, je sais qu'il est là, j'y passe, j'y suis passé, je sais pas, peut-être pas des milliers de fois, ce serait un peu prétentieux, mais genre 200 fois dessus, je me suis jamais fait flasher, et je parlais là, flash, putain. Mais l'avantage, c'est qu'avec la loi, vu que je vais leur demander, est-ce qu'on peut m'identifier, j'aurais demandé, tu sais, la photo. Et vu que je suis pas identifiable, ouais. Ben, comme je suis pas identifiable, je leur dis, ah, c'était pas moi, il y avait du monde dans ma voiture, je sais plus qui conduisait à cette heure-là, je dormais, je ne peux pas savoir, je ferai une demande. Mais c'est pas moi, oui, donc je paye l'amende, oui, mais après je perds pas les points. Parce qu'il reste plus beaucoup des points. Tu les mailles, il m'a défoncé ma flotte. Bon, on va peut-être construire des bâtiments parce que là, je suis un peu pété de thunes. Bonjour. Pas top, 0,18, on prend. Du fric, on va un peu le claquer quand même. En fait, ce jeu, ce qui est affreux, c'est que le fric appelle le fric. Oui. 0,40. Ok, change. Mais c'est le extension là, parce que c'est un peu gros là. Voilà. Ah. Scott, je viens un sujet de la Russie. Merde. Ça fait chier ça. Ah, si la Russie vient mon peuple, vient mon j'essaie de louper dessus. Attends. J'ai une petite pause là. Vas-y. Pas de soucis. Mais je claim le trône de la Russie. Je, ouais. Donc, je peux te dire, je déclare la guerre pour récupérer ton trône. On est d'accord. Ouais. Et donc j'ai une trousse avec Liba. Je lui prise à l'anse. Ouais. Bouge pas. Voilà. Imaginons que par exemple je. Comment dire. Je déclare la guerre. Et qu'il a un héritier entre temps. Je perds automatiquement le clé sur le trône ou je peux encore le garder? Honnêtement, je sais pas. Les clés sur le trône, je sais pas. C'est vraiment un truc que je ne maîtrise pas. Ah oui, je crois que j'aurais pu moi aussi. Je sais pas. Je crois qu'en fait, tu mets un héritier à toi dedans. Mais je sais pas. Bah, à la limite, déclare-lui la guerre. De toute façon, t'as vu qui il a comme allié? Il a. Je perds un peu le prestige, c'est tout. Enfin, et puis les deux là. Il a toi. Administratif. Voilà. Parce que j'ai cassé mon alliance avec lui, donc. Je regarde un truc, Army, Russia, t'as combien? 58 000 hommes et 70 000 en réserve. Moi j'ai combien d'hommes? J'en ai 240 000, mais par contre 0 en réserve. Bon c'est pas grave, ça passera. Quand même. Eh, t'es quoi? On y va. Ouais vas-y. YOLO, comme tu dirais si bien. Il a combien d'hommes t'as dit? Ouf, oh, ouais, il a... 70 000. Oh, ouais il s'est bien étendu là-bas quoi. 48 000, ouais, ils sont tous là-bas, quoi. Ils sont tous à Moscou. Et une pause. Ah, vas-y, enlève la... ouais, vas-y, merde. Je la renlève. Ah vas-y. Enlève-la. Eh bien... Il faut surtout qu'il l'enlève. Ouais, je l'enlève, d'accord, voilà. Je nous passe en vitesse 3 ou c'est bon? Ou je préfère en 2 pour l'instant. Je préfère en 2 pour l'instant. Et moi, je peux le mentir. Moi je regarde un peu mes rebelles. Ah ouais, d'accord. Ouf, Grenade, il y a du monde qui veut se rebeller là. Ouais, j'ai peut-être. Ouah, ça va. Ouais, c'est des paysans. On va prendre une armée qu'on va envoyer là. Ah bah non, je peux pas. Et on a entendu le tingling de fin d'épisode.
Le ding. Donc, voilà, hein. On va s'arrêter là. On vous dit bye bye et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde! Salut tout le monde!